les chefs vont jouer un rôle de plus en plus capital dans une bonne alimentation, et c'est leur devoir. Parce que si les chefs ne le font pas, personne ne le fera. En particulier face à ces compagnies, ces multinationales, qui veulent s'approprier l'alimentation du monde. C'est d'actualité puisque Bayer Monsanto devient un monstre qui va imposer une alimentation des semences, des pesticides, des insecticides qui risquent de ruiner la planète. Les chefs pour les châteaux ont un rôle très important à jouer. Ils sont reconnus comme étant les meilleurs chefs au monde, mais être le meilleur chef au monde, c'est pas avoir le plus grand nombre d'étoiles dans les guides, c'est d'être le plus exemplaire et en particulier mettre en valeur tous les petits producteurs. Donc le rôle du cuisinier, je trouve qu'aujourd'hui il est redéfini parce que bon, on était dans une phase où le cuisinier était un peu spectacle, et aujourd'hui je crois qu'il faut qu'il retrouve un véritable rôle par rapport à la sensibilité que peut avoir le peuple par rapport aux problèmes d'alimentation qu'on peut rencontrer. Donc, здесь достаточно просто, мы едем в регион и допустим, если это случился Дальний Восток недавно совсем, то есть мы едем в регион, мы знаем много шефов, вот, и они нам показывают свои продукты своего региона. И так каждый регион. И так каждый регион. Не только рынок, не только, но это бабушки, это охотники, это рыбаки. А в каждом регионе они свои, вот так и это люди, это фермеры, которые совсем-совсем маленькие, которые для них, допустим, привезти какой-то сыр в Москву, это невозможная история. Мы общаемся с ними, и так мы находим общий язык. Если они могут поставлять нам ресторан, они поставляют. Если нет, то мы берем логистику на себя. То есть мы сами возим то, что нам интересно. И так приходит в каждом регионе. Все. Pienso en el producto, pienso en el origen, pienso en el productor y en el resultado, ¿no? Y es poder transportar al plato esa calidad, esa sinceridad, esa energía, esa madurez, esa cocción en la rama, esa fotosíntesis, cosas que en los invernaderos no pasan, en las cámaras frigoríficas tampoco pasan y en los estándares de belleza de los lineales de los supermercados tampoco pasa. Cuando tú estás comprando en una granja donde sacrifican 10 cerdos a la semana y tenemos mataderos en Cataluña que matan 25.000 cerdos al día, que es producción cárnica pura y dura, pues esa sensibilidad se pierde, ¿no? Cuando nosotros tenemos pollos que se han criado durante tres meses y medio, cuatro meses, para que tengan una carne con una musculación, un pollo que ha tenido sus metros cuadrados para tener amplitud, para correr, para formarse, para ser animal, pues bueno, yo creo que lo dice todo, ¿no? Una cosa es matar y otra es sacrificar. Para mí es importante este hecho. Y nos appartient d'entraîner également l'ensemble d'une population dans chacune de nos contrées avec un rôle pédagogique. Pendant très longtemps, les chefs sont restés trop longtemps dans leur tour d'ivoire, s'occupant uniquement de leurs clients. Il faut s'occuper de toute la population qui nous entoure, au niveau de la jeunesse, au niveau des entreprises, au niveau évidemment des écoles, mais aussi des universités. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés, tous les chefs pour les châteaux, 520 chefs dans le monde, dans 62 nationalités, à présenter l'ensemble des produits sentinelles et reconnus par Slow Food. Pour que chacun, chaque chef, mais relais château ou pas, présente la plus belle vitrine des produits du monde.